seulement samedi que nous l'ouvrons pour la première fois, mais nous pouvons ouvrir net. Ça fait 2 ans presque que nous commençons la nouvelle construction. Donc nous avons ajouté 85 chambres. Nous avons 2 salles de conférence, un bar, un restaurant, nous avons gagné des magasins. Nous allons gagner un coffee shop très local haïtien avec des recettes haïtiennes. Nous décidons de faire l'hôtel ça parce que Kinam d'abord, pour ça que pas connaît, c'est un mot créole du cap haïtien qui voulait dire Kinam moins, donc Nam moins, la caille moins. Donc c'est premier atout nous, c'est que nous voulons recevoir les gens, nous voulons que les gens qui viennent en Haïti sentent bien. C'est pour ça que nous avons avec nous là 2 peintres qui en face là, qui ont une galerie d'or en face de l'hôtel là, que nous avons acheté des tableaux. C'est eux-mêmes qui aident nous à mettre Pablo dans le chambre pour que tout étranger qui rentre dans le pays soit capable de joindre une partie de Haïti et ouais, qui ça Haïti pour offrir parce que tellement culture haïtienne est riche. Donc nous-mêmes dans l'hôtel, nous choisissons un pile haïtien qui a talent pour aider nous à aménager l'hôtel pour nous sûr que nous sommes capables de vendre Haïti pour que l'étranger qui rentre senti que li on l'autre côté que li pas tout ça que le content de parler de Haïti en fait le loi ça loi là li wè que ça y a dit c'est pas ça. Donc moi remercier gouvernement qui fait déplacement ça aujourd'hui hein, parce que je pense que son bel bagage que y a encouragé investisseurs parce que ça n'a pas été une chose facile mais moi quoi dans pays hein, et c'est pour ça que nous décidé que n'a fait projet hein, nous quoi dans pays hein, nous quoi dans avancement pays hein, et nous pensons que si tout bagay calme, tout bagay bien, que tout le monde mette ensemble, que pas de moyens pour ça pas marcher, que tout le monde a comment y a voulu pour que y a aidé pays à fonctionner. Donc encore une fois, moi merci et très content que m'te accueilli aujourd'hui. Hein. Nous exposons là depuis belle lurette depuis près de 40 combien d'années et pas principalement moi-même, c'est papa nous en avant ancien. Et nous disons merci spécialement à président parce que c'est première fois. Ce n'est pas loin, je me sens que mon président a pensé pour le pays. Et nous disons merci avec le premier ministre. Là. Merci avec le ministre touriste qui me communique avec déjà que Lika Bakone. C'est sur Facebook. Il a fait un rendez-vous avec elle. Je prends rendez-vous avec elle. Je parle à la secrétaire. Et l'acheter tableau dans même déjà tout dans place Saint-Pierre. Moi, en pile monde là que mon habitué faire business avec eux, ça fait plaisir. Je me sens que c'est un gouvernement qui a aidé la peinture. Là. Malgré nous, pour jouer une vraie entente nous-mêmes avec nous pour nous chita, mais nous, yo, toujours rappelez nous qu'il y a pensé avec nous. Yo, lorsque nous demandons de bas, il n'y a pas jamais refusé nous, ni ministre touriste là. Et me salue encore un gros monde qui l'a encore, qui c'est maire Pétionville là, qui pense avec nous, qui voulait même faire côté pour nous. Et toute autorité qu'il a, Atisio, non, non, Atisio, que me salue. Et me souhaite tout le monde qui vient là, jeudi, ils font bon déplacement, ils viennent dans un gros bagage. Madame Nathalie, spécialement, une grande salutation pour lui, qui vient devant acheter près de 2 à 300 tableaux dans mes mains. C'est un gros bagage. Parce que, bien longtemps, nous n'avons jamais fait grand vente ça. Malgré tout, ici, on vient de vendre un grand tableau, 2 grands tableaux. Première fois, on a fait vente qui n'a niveau ça. Et que, lui rapporter quelque chose, nous devons l'école, l'autre activité, quelques monde qui organisent quelques bagages, c'est un gros bagage pour nous. Et nous-mêmes, ça qui l'essentiel pour nous aujourd'hui, n'a demandé pour le gouvernement directement penser avec nous dans Pétionville, jouer une nouvelle entente avec Atis Medio. Moi-même, étant que président, parle à président Matéli déjà, lorsqu'il était dans la campagne, nous avons parlé. Lui, il a rendez-vous avec moi. Et très bientôt, comme moi, je suis ministre aujourd'hui, je vais un chapeau pour le président encore, à tout ministre qui a fait un grand travail. M'espérer, un jour, je vais chiter avec vous pour nous penser. Il y a l'autre gens pour Atis Medio haïtien. Qui nomme Kinam Hotel, il y a une raison d'être. Il y a justement typique localité. Nous voyons que le premier Kinam, c'était un gingerbread. Et malgré que nous avons développé et que nous avons évolué, il y a un nouveau Kinam avec le même style typique. La commune Pétionville, nous connaissons son commune qui a bougé, qui a recevoir un pile hôtel, qui vient transformer Kounia en centre-ville. Et moi, très fière de lui, moi, très fière que moi, présent pour m'accueillir et pour me recevoir. On l'autre hôtel qui ouvrit dans la commune Pétionville pendant nous là, mais qu'on est que nous, ouais, que c'est tout le monde qui a développé la commune, ça, qui a développé le pays en général. Moi, je dis à tout merci pour le gros investissement que vous faites pour justement faire que le pays a changé, pour nous changer l'image du pays et surtout que nous continuer pour nous permettre que la commune ça continue à bouger. On chambre l'hôtel, c'est attirer plus de touristes. Nous connaissons que
chaîne distribution produits touristiques, on commence par un siège d'avion, on chambre l'hôtel et attraction que nous avons mis en place pour nous faire qu'on aller dans le village pour nous faire, pour pendant les touristes dans le pays, faire excursion et aller dans différentes communautés et différentes attractions touristiques que nous avons. Le ministère du Tourisme, à travers le département d'investissement, accompagne tous nos investisseurs, non seulement pour bailler information, bailler incitatif que le code d'investissement permet de gagner, et accompagner tout au long du processus, bien entendu, en liaison directe avec le directeur douane, que nous avons remercié tout, qui permet que tout conteneur soit sorti à temps pour que l'hôtel soit vraiment inauguré, soit ouvert la première porte jeudi. Donc, encore une fois, le ministère du Tourisme, gouvernement Sapkoré, tout investisseur dans le secteur hôtelier. Hein, et puis, le travail que nous gagnons, c'est pour nous attirer les touristes la caille nous. Et le point que Nathalie dit à l'heure, pour nous attirer les touristes, il faut gagner la paix, il faut gagner la sécurité. Et le plus travail que nous fait, non seulement pour mettre en place un nouveau système sécuritaire que PM, monsieur, a parlé de ça dans le moment pour Pétionville, mais tout nous connaît que Politour là, pour, surtout le soir, pour nous assurer nous que visiteurs qui viennent Pétionville vraiment gagnent un bon moment et qui viennent tête posée. Donc, encore une fois, nous féliciter et non seulement Nathalie, mais tous les investisseurs. Nous connaissons que dernièrement, il y a deux hôtels tabac qui ont inauguré Monte Cristo et la Renaissance. Donc, encore montrer que il y a l'autre investissement hôtel qui a fait dans l'autre commune. Nous connaissons que nous avons un meilleur étage à monter là de jour en jour. Il y a 175 chambres, puis gros hôtel avec chaîne internationale l'un et toujours. Et qu'on y a bien entendu Kinam Hotel et bientôt Caribé Hotel qui va augmenter 100 autres chambres. Nous allons passer la fin année à peu près 2100 chambres et nous connaissons qu'après tremblement de terre là, zone métropolitaine a perdu près de 50% de capacité hôtelière. Donc je dis non seulement nous reprend et capacité hôtelière là, plus nous augmenter encore de 50% pour nous arriver à la fin année à 2100 chambres dans zone métropolitaine là. Donc encore une fois, ça montre que le pays est ouvert aux affaires et que le gouvernement ça a vraiment accueilli et accompagné tout investisseur. Son hôtel, son investissement en phase 1 de 16 millions de dollars et un investissement global de 30 millions de dollars américains qui investit là pour faire l'hôtel ça que nous souhaitons visiter là. Donc pour investir 30 millions de dollars américains, il faut croire dans le pays où, et il faut passer de la parole aux actes. Et ça, son acte que famille Guito a posé là, que faut que tout reste pays à apprécier. Parce que là, on a parlé d'investissement, là, on a parlé de changer l'image pays. Là, on a parlé de réels investisseurs qui pouvaient créer emploi, qui pouvaient acheter tableau dans mes peintures en face là, qui pouvaient acheter artisanat, qui pouvaient investir dans le pays. Il faut avoir un côté pour descendre, il faut avoir un côté pour venir dormir, pour être capable eh bien, faire un investissement. Ça, nous sommes après le tremblement de terre, le pays a pas de capacité d'accueil. Presque tout l'hôtel était détruit. En seulement 4 ans, et depuis le président Michel Martelly monté, il dit que Haïti est ouvert aux investissements. L'on a parlé d'investissement, nous pas seulement parlé d'investissement étranger, on a parlé d'investissement haïtien natif natal qui vient investir, qui croit dans le pays. Et aujourd'hui, après ça, nous sommes là, qu'aucune chaîne l'hôtel, ça nous est là. Eh bien, nous-mêmes dans le gouvernement, nous réconforter, nous sentir que le message l'a passé. Parce que là, nous connaissons que le gouvernement n'a pas capable de créer un emploi pour contre lui. Il faut un accompagnement du secteur privé haïtien. Et bien, je dis à Noël, nous sentons, nous vivons. L'hôtel qui nous a amené, son réalité. Et je bats un gros bravo. Je voyais vraiment un pile compliment pour nous, pour ça nous fait là.